Bonjour à tous nos téléspectateurs internautes à Dossier du Congo Télévision. Je suis Dokiana, la fille intelligente en émission Nabino. Parlons-en. Merci à Kabuya derrière la caméra et à vous, chers abonnés Dossier du Congo Télévision. Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs, dames, restez branchés. La chaîne Nabino, où il y a vérité. Actualité à Kosolana, vraiment. Les alliés belés à travers cette émission, donc au télémamingbe, na ouais dans les situations sécuritaires et en bout canabiso, donc aux anglais que nous bédangons, messieurs dames, et puis maloba oyonde koto le ministre Moïse Ndonzangi aloba qui na ouais dans les étudiants, malobi désormais, bah étudiants à Kinshasa, na rentrée académique, bah étudiants bah ça la 15 jours na formation militaire, bah réaction à bah occupé à bah parents, les alliés qui belés, donc au sol ango à travers cette émission, nous avons amouroté, nous avons Monsieur Albert Azali cadre, il y a un nouvel élan, mais avant la paix, ça a monté, la partie cabine boulanda d'abord vidéo et Willy Bakonga et nous retrouvons tout juste après pour continuer avec cette émission suivante. Moi, je suis kabyliste de sang. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabyliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila, l'autorité morale. Il faut toujours que c'est la Fatima, toi, Fatima. Merci. N'est-ce pas? Oui. Bon, tout le monde, pour qu'il y a bien. Oui. Il faut que tu aies bien. Il faut que tu aies une reconnaissance. Oui. Il faut que tu Merci beaucoup Moïse pour l'image. À Tozana, Monsieur Albert, que je dis bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Madame Doriane. Merci pour la confiance renouvelée. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Il y a Océan du Congo Télévision. Bonne santé. Nzambazali, tout ça bien dans Bolunaï. Merci beaucoup Nzambazali, tout ce que la vidéo, il y a Willy Bakonga, wana dozobela surtout sur la constance politique, tout landi maloba naye, wana kokumisa monsieur Joseph Kabila, azako kokumisa appartenance naye na Sika Oyazali et alobi ba rupe ko boma. Donc lui il demeure. Hein? Nous avons pu perdre à côté de la colombe. Et tout ce qui est dit sous Awa, à Koloba, nous avons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, donc à rejoindre Ngambo et à président de la République depuis Toyebi Makabobele sur Ndekouili Bakonga. Surtout sur l'inconstance à Maloba. Aujourd'hui, est-ce que Baï député Nabiso, est-ce que la député Nabiso a sa crédible vers la population? Ce qui n'a Maloba, n'a pas encore beaucoup de Kaloukouta. Bon, merci beaucoup madame pour la motuna, le privilège que l'Océan du Congo Télévision m'a fait ce matin. Et avant tout, na pessina nous mokonzi, soit initiateur, il y a parti Nabiso. Moi na mboka Adolphe Mosito, na pessie mbote, na pessie sous mbote na secrétaire général il y a parti, maître Blachar Mungomba, l'homme du chef mbote. Maintenant, en rapport avec cette question, il y a inconstance politique et autrement appelé la délinquance politique, permettez-moi le terme. Okay. Parce que nous avons quelques hommes politiques dans Katia Mbouga, dans Bissou Bazoko Sala, donc il n'y a pas de leçons à tirer. Okay. Ça fâche par contre, ça fâche, ça énerve. Okay. Willy Bakonga, je ne sais pas, il a oublié ou soit Mérambouana Bandogo, le Bango na chaîne, il a évité que Zalaki a enregistré ou soit. Azalaki ivre, permettez-moi le terme, il y a qu'on a affirmation wana, juste pour qu'on flatter celui qui était son chef hier. Okay. Maintenant, tout juste au moment où Bokozi Makamwe Bongwani, catégoriquement Bosani Onyon Salobi, pour qu'on a bandé ça la assurance Moussousou. Il y a un avec ce régime aussi, c'est ce discours-là qu'il a sauvé. Oyebi a Kangamakia na Congo Brazza. Okay. Avec plus de 10 000 dollars. Na kati ya sak na ye. Or, selon la loi, il y a blanchissement des capitaux. Moutoko ki ko voyager te na di cash comme ça.
plus de 10 à partir de 10 000 dollars. Donc, vous pouvez voyager dans une valise. Ça va s'appeler tout justement hein, blanchissement des capitaux. Bakangiye, Azongi Awa, il fallait balancer la campagne de détournement et la gratuité de l'enseignement. Moutouna Katia prison à Gangi, Nazari Sous Moutoua Kabila te Nakomi Moutouya, Union Sacrée. Okay. Du fait qu'il a dit ça, voilà, il est purifié. Il est purifié, il est acquitté. Et il y a un autre salaire sous ba bouzoba wana pamba pamba auto benga bouzoba. Koganga fachibe fachibe à son âge. Quand on dit politique égale monde des intérêts, peut-être qu'il a trouvé mieux dans le jeu. Le président fait exactement ce que dit Nangamouana. C'est la délinquance, tout juste. C'est la délinquance, le vagabondage politique. Il n'y a pas quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui poursuit que ses intérêts dans tout ce qu'il fait. Où est la part de la population? Okay. Est-ce que la population se retrouve dans ce que Willy Bakonga est en train de réaliser? Okay. Est-ce que c'est la population qui lui avait dit à Ganga à sa l'émission à la télé 50? Okay. Est-ce que c'est la population qui lui a dit à sa le bilo à Ganga wana fatibé à son âge là? Messieurs, si c'était moi, j'allais avoir d'abord honte. Si c'était moi, j'allais avoir honte à ton âge là. Vous voyez, il y a politique qui peut-être trouve ça peine à parcours sur la constance. Peut-être tu te retrouves. Hein? Ok, vous n'avez pas dit le président Joseph Kabila, à gauche, à droite, qui peut dire qu'il y a deux pèses. Ça fait partie aussi de quoi oui, bah, on n'a pas à temps. Peut-être lui a eu chance à qui député a eu chance. Il y a besoin de mon poste. Il y a un atelier bien, mais bien, on peut en coulisses. Oh non, tu n'as pas chance parce que tu as quand même un délai. Non, pas jusqu'à ce niveau, pas jusqu'au niveau de flatterie comme celle manifestée par la flatterie manifestée par Willy Bakonga. Ce n'est qu'ils ne sont que des antivaleurs. Bien sûr, en politique, il y a des accords qui se font, qui se défont et qui se refont. C'est comme ça qu'on a dit, qu'on a dit, mais pas jusqu'à ce genre-là. Mais on a comme ça le serment. Martin Fayoul aujourd'hui. Avec Moïse Katumbi, avec Mukweg, Obabi Kalate, bloc patriotique, avec le président Kabila, tout. C'est ça la politique. Ezali, ce n'est pas un modèle à suivre. Okay. La fois passée, j'ai dit Fayoulou. Et puis, un autre élément, vous savez, président Fayoulou n'est pas un politicien, permettez-moi le terme. Président Fayoulou, c'est un businessman, hein? Quelqu'un qui est habitué à faire du business. Okay. Parce que ce qui est au Tali, histoire naïe, si vous regardez bien sa carrière, il a beaucoup plus travaillé dans les pétroliers. Hein? C'est quelqu'un qui a beaucoup fait l'argent dans les pétroliers. Donc c'est un monde qui lui convient. C'est un monde qui lui convient. Si demain ou après demain la chance nous sourit, moi je vais lui placer, hein, soit tout ça, les mois, bah, station essence, avant de gérer. Bah, la politique, vraiment, ça ne va pas avec lui. Parce que depuis qu'il a commencé à faire son vagabondage de gauche à droite, il n'a jamais fait quelque chose de constant, quelque chose qui a apporté aux Congolais ce qu'ils attendaient. Voilà, Mouzito lui a donné chance hein, de marcher ensemble avec lui. Il devait profiter de la crédibilité de Mouzito pour un peu peut-être vouloir servir aussi le peuple. Mouzito, voilà. C'est un homme crédible. Mais Mouzito, c'est un homme qui... Je vous ai dit la parce fois passée... Parce que tu es du côté de Mouzito aujourd'hui, tu travailles avec Mouzito, voilà pourquoi tu peux dire tout haut à ça crédible. Non, ce n'est pas, si ce n'est pas seulement. Les politiciens congolais, on va côté Mbola Mabé. Ok, la population va se retrouver. Aujourd'hui, on emballe tous les politiciens parce que tel ami, il approche n'a pas d'intérêt et la population. Mais aujourd'hui, quand tu as taquiné Martin Fayoulou, à Ozo Koumissa, parce que tu es du côté, y a Martin Fayoulou, c'est toujours comme ça, du côté, il y a mon premier, voilà pourquoi on va pas bailo non, ce n'est pas seulement pour cela. Madame Moussousou, j'ai chaka moutupe kota la kape le lenge à Tambolaka. La façon dont il agit, la façon dont il marche. Voilà pendant tout ce temps. Mouzito, d'abord, hein, je vais vous donner un petit exemple trop banal. Mouzito, d'abord, Nakolobanaye. Du début jusqu'à la fin, vous n'entendrez pas injurier. Okay. C'est quelqu'un vraiment de bonne éducation. Vous ne l'entendrez jamais injurier. Ce que vous entendez de la bouche de Mouzito, et ça, ma proposition, ici, pour sortir d'une situation un peu calamiteuse, la proposition de ce que l'État doit faire pour un peu asseoir la vie sociale de la population. Contrairement aux autres, lui, quand il... Avant même qu'il y ait le Baoyebi, qu'il y ait un injure, qu'il y ait un injure. Il y en a, il y en a, il y en a. Est-ce que pour cela, nous allons dire que Bazali crédible, tant que Mouzito, Azali Moutoumoko, sincère, crédible, est-ce que tout ça, parce que tout ça, Batouya Kanaé, ce n'est pas pour seulement pour cela. Mouzito, ils ne sont pas à deux, je vous dis, madame.
Nazolo baté pour Nazari Mutu ya Muzito. Mais je l'ai dit, c'est ce que plusieurs Congolais disent maintenant. Vous avez entendu Akisantu, bien que nous allons en parler plus tard. Akisantu, ce sont des jeunes universitaires. Ce sont les universitaires qui lui ont proposé, Monsieur Muzito, cette fois-ci, Tolingite, Okende, Osangana Batu Moussousou. Tant que Toyo Kakayo, tant que Toyo Kamakambolubaka, initiative au Bimisaka, pour nous, la population congolaise, pour nous les cadres universitaires, Tolingi que Yomoko postulé, tout le peuple congolais derrière toi, nous allons te voter. C'est toi qui seras le président de la République aux élections à venir. C'était les universitaires du Congo central. Vous comprenez, madame? Ao Muzito, Makambu, Oyezo Koloba. Donc, à vrai dire, à on a Congo, nous n'avons pas deux personnes de talent, soit de l'envergure de Muzito. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aza la opposition, aza la pouvoir. Il n'y en a pas. Aza yemoko. Donc, c'est ce que nous disons. Il est le mieux placé et tout le peuple congolais est derrière lui. Les prochaines élections, c'est Muzito ou rien. C'est ça que je peux dire. Je pense qu'il y a un point préparé pour cela. Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission. Messieurs, dames, restez branchés à la chaîne Topema. Na vidéo où il y a Raphaël Kibuka, na base nae, et nous allons toujours après pour continuer avec cette émission suivante. Merci beaucoup Moïse pour na image où il y a Raphaël Kibuka à faire salaire y'a bas député, y'a mon moni député national face y'a base nae, comment base et tout ganga. Pour un salaire au député Azoka Raphaël Alobi, nous aurons 21 000 dollars demain, 18 000 dollars, 17 000, 18 000. Donc, il y a une petite précision, il y a un salaire au Azoka entre 17 et 18. Pour mon réaction, pays à la population, réaction aux présidents. Bon, madame, au moins d'abord, le régime Oyo, ils allaient régime Moko, en général, il y a un jouissaire. Ce n'est pas moi qui dis cela. Ils allient Jamar Kabound, un autre juissaire. Jamar Kabound avait parlé de ça le 18 juillet 2022. Dans la conférence de presse à Sagina, résidence. Ils allient, il y a un populisme, sentiment. Ils ont quelque chose un peu de fond, de concret pour le salut du peuple. Ils ont quelque chose de l'écologie. Vous savez dans quelles conditions M. Tshisekedi s'est fabriqué la majorité. Vous-même, vous savez comment, dans quelles conditions il s'est fabriqué ce qu'il appelle l'Union sacrée, qui n'a ni charte, ni siège, donc, un monstre à mille têtes. Ezali n'a pas de débauchage, il a acheté des gens, il a mis l'argent du peuple, du contribuable congolais en jeu pour se constituer une majorité. Maintenant, Bantouana, ce sont ceux qui, l'exemple de l'autre là, les députés là, ils se donnent le courage. D'ailleurs, ils ne maîtrisent même pas bien les chiffres. Ils disent tantôt 17, tantôt 18 000, tantôt 17, et puis ils disent c'est trop peu. Trop peu en rapport avec quoi? En rapport avec quoi? Qu'est-ce que toi tu as donné à la République? Donc, quand tu dis trop peu, il a dit ce que député ou il a pèsé dans la République, ils allient ébeler en rapport avec ce que la République lui donne. Monsieur, qu'est-ce que toi tu as donné à la République? Au niveau PC République, ils ont mesuré 18 000, ils ont minimisé. Au moins, ils ont anti-valeur, donc ce régime en général n'apporte rien à la République, n'apporte rien au panier de la ménagère, donc n'apporte rien en général. Ils ont dit que les juissaires, Olanda qui a vidéo, il y a vidéo Chimanga. Les juissaires, ils ont souci. Olanda qui a vidéo, ils ont même clan qui ne rêvent que leurs intérêts, qui veulent se moquer de la population. Moi, arrogance du pouvoir, pour que ce qu'il gagne, c'est trop peu en rapport avec ce qu'il lui donne à la République. Combien de lois a-t-il déjà voté? Combien de lois a-t-il déjà voté? Et ces lois-là rentrent dans l'avantage de la population? Ce sont des gens que le peuple congolais doit sanctionner aux élections à venir. Bien que l'élection que vous allez cette année, mais au moment où les élections seront organisées, le peuple congolais n'aime plus revoir ce genre de députés. Madame. Muzito, c'est une valeur, je reprends. Muzito, lui, s'assoit, il étudie les signes et les enjeux du temps. Quand il a calculé, il a étudié, il a trouvé
carte sur table net que les élections égozalaté. Donc, diriger autrement, c'est prévoir. Mais celui ou ceux qui dirigent, ils n'ont pas de vision. C'est pourquoi ils n'ont pas le temps de réfléchir sur tout ça. Ouais. C'est que Mouzi te dit, ils ne savent pas calculer la teneur de tout ce que Mouzi a parlé. Donc, ce qui montre qu'ils ne sont pas de bons dirigeants. Ce ne sont pas de bons dirigeants. Un bon dirigeant voit le fait avant qu'il n'arrive. Avant que le fait n'arrive, il y a déjà Moni. Alors, il dit que, quelques temps après, il y aura ça, il y aura ça. Alors, faisons ceci. Je vous ai dit le 19 mars 2022, madame. Mouzitou a parlé que, dans l'île où les choses sont en train de partir, les Rwandais viendront nous attaquer. Ils vont nous arracher la paix. Nous, maintenant, là, nous devons déclarer la guerre au Rwanda. Le 19 mars, au Mouzitou à l'obi. Mais ma campagne est comme ça, le 13 juin, au Bunagana, et qu'il y a un M23 là-bas, Rwanda. Mais il y a le bagage déjà Kala. Mouzi to lobi Kala. Bobingana nanu, ambassadeur à Rwanda. Le Sangarega. Bobingana ye. Il n'est pas un homme sincère. Parce que son régime à lui est aussi un régime complice. Ils sont complices dans ce que nous subissons en RDC. Bobingana Rwanda, oui. Bobingana ambassadeur. Qui c'est que dit ses amis? N'ont pas compris. Fait des comptes après. Ils ont maintenant renvoyé Vincent Karega. Et après quoi? Mouzi a fait parler encore. Ne faites pas confiance à ce que Gagame vous dit. Gagame n'est pas un interlocuteur sincère. Vous ne pouvez pas faire confiance en lui. Tu sais qu'il disait quoi? Ah, c'est mon frère. C'est mon partenaire. C'est mon frère. Vous avez Olandi Makambuya before, non? Mm-hmm. Olandi Makambuya before. Before à lobby, ma campagne est sur le lana Gagame. À lobby, tu sais que d'ailleurs, si Gagame, yo, aux alina, chance à cause de ma partenaire. Naï, naïve, que l'on va partenaire, t'es. Comme ça, yo, Gagame, le gagame, ma partenaire, à les bosses de minerai à Congo. Bosses de minerai à Congo, bosses à la business, n'a pas partenaire, Nabino. Oui, écoutez, ma campagne, before à l'obaki. Donc, il y a qui c'est qu'ils n'ont pas ni vision, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ça va que le peuple congolais, que la population congolaise doit sanctionner aux élections à venir. Mouzito ou rien. Merci beaucoup, Mouzito ou rien. Nous continuons avec cette émission, messieurs, dames. Mouzito pose une condition avant de conclure une alliance avec un autre candidat. Il faut un programme. Si aujourd'hui le président Kabila Ayé, le prédécesseur président Kabila Ayé, a un programme, a un pas, monsieur Mouzito, a aussi un compte en alliance. Bon, madame, pourquoi n'est-ce que Kabila Zongé la vie sur la moto? Tu es dans le lobby, ma cambo, mon premier à lobby. C'est-à-dire, Moutoune a un programme. Hein? À lobby, l'alliance est belle et zo cabana parce que tu vas aussi à l'alliance, un individu entre bango. Programme ça na yo mais il y a une question si mutulo ko la Kabila aye pe na programme na parce que ça m'a commandé un programme aye na programme na yo mon premier a sali ba sali bloc mais ce que j'ai dit olinga ki pour la nini exemple na yo bandika kana Kabila c'est des problèmes na je sais ça mon inquiétude déjà vous tenir mon côté je réponds et ça c'est vraiment inquiétude ça yo mon côté il y a beaucoup de Congolais qui parle, Makambo politique à Congo, ils insèrent encore. Kabila n'a rien à faire dans ça. Au moins, Makambo, au moins, au lieu de place à Zali, quoi. Ah, ça les bilanga, quatre bilanga naie na Katanga, ni place à Zali. Côté Kutoza, on a barizo, ils accoutent y'a malongate. Ah, quatre bilanga, quoi. Au moins, dengue bande ouyaya, peuple de bavoter reversé. Ah, deko Shadari na Mutunaie au Kamberi na bandenge bazawana. Voilà comment ils sont en train de reverser. Ils ne savent même pas sur quel pied danser. On le dit, oh, peuple congolais. Bon, que vous serez en l'été. Donc, vous, messieurs, monsieur Sadari, adressez-vous au PPRD. Naïbi, vous êtes PPRD, ce que vous avez combien de militants. PPRD, je vois, c'est ma Sadari, je vois Kambere, je vois. C'est ma les cadres là. Est-ce que vous avez des militants? Si vous avez des militants, faites alors des démonstrations sur la voie publique. Marchez! Donc nous sommes déjà la population congolaise n'est plus si dupe. Si président Kabila venait avec moi j'ai un dit programme, ouais, c'est ça la réponse. C'est ce que j'ai dit, si non. Kabila venait avec son programme, si Mouzi te le voyait à distance, il va lui dire monsieur toi tu rentres. Il n'est plus sur la scène politique. Lui ne peut plus parler question élection dans ce pays. Némi Mouliana. Bah en tout cas alors le problème
On va recevoir les programmes étudier parce que dans mon le babana musita yebi oy makamwa lobi wana il même sait ce que ça signifie parce que ba onyos ndengo tanga wana ils ne savent pas s'asseoir comme ça étudier Congo coucher quelque chose sur le papier. Je vous dis, ils ne savent pas s'asseoir et écrire Congo sur le papier. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que nous pouvons faire à l'intérêt? Excusez madame, au moins dans le Katumbi wana moi je le souhaitais Katumbi na Muyambo parce que ça peut bloquer les expatriés. Vous comprenez, hein? Expatriés et d'autres personnes à identité douteuse. Il faut passer là où il y a un bloc. Comme ça, Makamoussou se bat dans le Congo ne peut pas discuter. Alors, Makamoussou, toi, lobby, c'est un piège. Il a ouvert une boîte à Pandore. De façon que, il n'y a personne qui a les soucis du Congo qui peut s'asseoir comme ça, étudier Congo. Étudier qu'est-ce que nous pouvons faire pour le développement du peuple congolais. Mouzito est parti jusqu'à Kisantu. Il est en train d'étudier comment faire la titrisation de terres. Ndengeni ne copie ce titre, il y a ma belle, il y a ma boko, il y a ma nkumu, il y a ma boko, il y a les originaires congolais. Qui d'entre tous ces, qui prétendent être candidats a déjà fait ce que Mouzito est en train de faire? Mouzito, c'est vraiment de la valeur. Mouzito, c'est vraiment de la valeur pour cette république. Avant d'été, il est en train de chercher les moyens, et les outils, comment faire pour un peu rendre le Congo aux Congolais. Okay. Maintenant, nous ne pouvons pas parler des expatriés dans l'affaire des Congolais. Ndeko, Fayoulou. Fayoulou, je vous ai dit, c'est un businessman. Il fait bien les business, surtout dans la matière pétrolière, parce que là, il a fait l'argent dans les pétroliers. Merci. Et je vous ai dit, si la chance nous sourit, c'est moi je ferai les démarches que Fayoulou Azo attaque quelques stations d'essence. Comme ça, il va faire beaucoup de business dans les pétroliers. Katumbi, vous savez, je l'ai entendu dire que si tu sais que j'aurais bien travaillé, je devais prendre ma retraite politique. Retraite politique, M. Katumbi, quand est-ce que tu as commencé la politique? Nous l'avons vu en 2006-2007. Hein? 2006-2007, en 2015, il a connu des ruptures avec Kabila. Et pour ce petit temps-là, il va nous dire qu'il a déjà fait trop en politique, il veut prendre sa retraite. Monique Zabilo Mouboué a dit aux dupes, le peuple congolais n'est plus dupe. Il y a un monde dans le Congolais, tous qui nous suivent à l'instant, ouvrez l'œil. To fongola misu, to la laté. To la laté. Mboka yeko yena mboka ba expatrieté tola la té tola ndalanda ba discours yo ya ba populiste o na ba jusser wana té tola nda message clair tola nda vision claire ya mwana mboka Adolphe Muzito. Merci de mutwazalina vision ya Congo pour l'instant. Merci beaucoup Moindo Zangi, ministre d'enseignement pour na ba étudiant ba o ba kuzonga kelasi. Tout à l'heure, une vidéo, voilà, comme ça, on peut savoir comment on fait aussi. De vous capouiller, et de vous soutenir la vidéo. Est-ce que vous avez monté? Parisade on a vu, et ça veut dire qu'on bongi ça venir à Bana na biso bazami qui est pour le bibako malongo na bati. Est-ce que ça m'a bien? Bon, tu as voulu que ma songi songi à battre belé. Qu'on soit parisade, ça lui soumonte. On a vu qui a mot, la teka qui a mot, la vie qu'on s'en est là pour la population. Et puis, il y a eu des passants, on a ça là chaque jour. Et vous allez dans le bon moment parlementer. Dans le parlement, même si il y a des députés qui ont 21 000 dollars, ils ont le coûta. Là, il y a un bon entre 18 000 et 17 000 et quelques 18 000 dollars. Et ça est belé à solo. Et ça est belé à solo. Bien. 18 000 dollars, et ça est belé. Boyo ganga bien. Et ça vraiment est belé. Boyo ganga est bien. Toyo ganga. Bien. Boyo ganga peut s'habiller et on a souvent pour comprendre que c'est belé. Gaï en tant que député, on a 18 000. Toi, tu as 18 000. Mais mon salaire, on a 18 000, on a ceux qui ont bêté les billets pour le moment. Merci beaucoup pour l'image. 15 jours, il y a des étudiants, des députés,
kende kilasi 15 jours na kibomango ba yekola maimatali armée salut formation militaire kona yemo na mboka idée kitoko au ministre azui ezaba populisme madame ezaba populisme. Donc, il y a Moïse Zangi. Donc, il y a dans 15 jours, tu apprends l'armée et tu deviens militaire professionnel. C'est une formation base, peut-être la base. Dans 15 jours, base à la base. Bon, je vais d'abord informer au peuple congolais. Au moins, il y a un peu de Moïse Zangi, il y a un LMD. Je vais vous informer que c'est un monstre à mille têtes. MLD, ce n'est pas reconnu. En matière d'enseignement et d'éducation, l'institution qui donne les pouvoirs, l'institution qui appelle ça Kandingisa, n'a pas songolo pakala, soit à modifier l'enseignement naïe, ou soit à adopter un système un nouveau et enseignement, s'appelle UNESCO. Alors, UNESCO a approuvé Bilogo ya Moïndo Zangiwana T. MLD, ezali reconnu T. Ezali vraiment Lukuta Moko sur table. Et Simbite, Abaluki, wana kutazongi na media te pona koyebisa ba congolais ke bandeko nanga ba projet na zaki nango ya nini projet to zaki nango na Tshisekedi ya MLD simbite to zongi na systeme ya kala alobi yango te aotika kokosa bana mboka balandalanda na mitu ya ba congolais bele bayebi ke to zana systeme ya LMD ezate eza reconnu te par l'UNESCO. Oh ya 15 jours awa c'est vraiment du théâtre de chez nous. Du théâtre. Dans 15 jours, vous apprenez quoi? L'administration ou soit la maintenance des fusils. Donc, les habitants qui ne peuvent même pas tenir, les habitants qui populisme, tout le bas. C'est du populisme pur et simple. Donc, vous, avec tous ces ministères qu'on vous a donné, c'est ce que vous vendez. C'est ça les cadeaux que tu offres aux Congolais. C'est ça les cadeaux que tu offres au cadre de ces pays. Vous nous offrez 15 jours, qu'est-ce que vous avez déjà planifié dans tout ça? Nous ne voulons plus de ces choses-là. Le peuple congolais est déjà fatigué d'abord par les promesses du président Tshisekedi, les promesses qui n'arrivent même pas à se rappeler. Le Tshisekedi a l'acquis de l'Okwebele, à Koukissi Yangote, à Kendagi Nambujmaï. Madame, nous avons informé Bino, Nambujmaï, ils ont trois projets où ils ont été salés Makuna, à Tshisekedi. Projet Aliboso, projet Chilegelu. Projet Ami Balé, ils allaient lutter contre les inégalités et la pauvreté. Projet Ami Satou, ils allaient à 145 territoires. À Kendagi, à Yébisébiso, ou à Kendagi, inspecter dans le bougement, ils ont projet ni. Parce qu'à Keikuna, c'est du chaos. C'est du chaos. C'est du théâtre. Alors, bah, qu'est-ce que lui est à te inspecter dans Kassai? À la qui, alors, le 4 avril, le 6 avril 2021, à la qui, à Kendagi, dans Kamba. Alors, ça va être un camba, c'est une terre sainte. Okay. Jusqu'à un camba pour nous faire la déclaration. Désormais, je demande au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, le 6 avril de chaque année et une journée chômée payée. Alors, c'est ce que je veux dire. Alors, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que ce n'est pas lui lui-même qui regarde ça, même ses services. Je veux dire l'émission Oyo. Est-ce que le président de Tshisekedi a dit que le camba? Est-ce que si avril est comment, journée chômée payée, hein? Est-ce que ça vous donne le plaisir? Ça vous donne le plaisir de parler des trucs devant des cadres, devant des hommes de Dieu comme cela pour ne pas le réaliser? Et ça donne la joie? Et ça peut s'accorder, c'est révoltant. Un révoltant, un président ne se plaint pas, mais un président agit. Ce n'est pas avec de telles choses que l'on peut vouloir un peu faire mieux pour les Congolais. D'accord, vous n'êtes plus d'accord, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, la proposition est à Moïndo. Du théâtre. C'est du théâtre. Tokomina Bisso, Nasuka, messieurs, dames, tout ce qui est une question, la situation sécuritaire est à Mboka Nabisso, na Est est à Mboka Nabisso, mon Mboka, tout le monde va en faire part, à Kokanga Banzela, comme que foutu sa ban à Mboka. Ce qui n'a mboka oyo bokoyoka les awa na paye mais ba nosa ilote. Ce qui n'a mboka oyo bokoyoka makamuzi to zolo bate réponse soit résultat na bino kozalaka libungu tulu. Si vous ne comprenez pas et vous ne mettez pas en action ce que Muzito vous dit, c'est vraiment un échec d'avance. Muzito a déjà dit la solution à l'est c'est la guerre. Nous devons déclarer la guerre contre le Rwanda. En quelle magie?
La RDC, nous devons faire des alliances avec d'autres puissances. Pourquoi seulement collaborer avec l'Union européenne et les États-Unis? Ce sont ceux qui utilisent le Rwanda pour venir nous déranger. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a la Corée. Ce sont d'autres puissances avec lesquelles nous pouvons coaliser, trouver des armes et venir faire la guerre. Et puis, alors, on a dit que le Congo, bon, moni zone wana ya est wana pasi wana bunagana e consor ki wanja e consor ba bengango tiseke nano esika ye bisibino ngote azo bengango zone tampon. Zone tampon signifie quoi? Des marches na ye ezali boye aoluka ba armée ya bamboka mususu ba bengana Rwanda zonga po bamboka wana batika la place wana. Donc cette zone tampon ne sera pas gérée par la RDC, ne sera pas gérée par l'administration de Kinshasa. Cette zone tampon sera gérée par les pays qui viennent là. Par les pays qui viennent. Boyoka niveau ya trahison. Boyoka niveau ya trahison, haute trahison, notre pays est en train de connaître une situation calamiteuse. Yango nde nazo ko senga ba congolais. Totika ba distraction, topé samana na mboka Adolphe Muzito chance. Parce que lui ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il fut premier ministre. Il fut premier ministre, madame, je vous informe. Je vous informe. Vous savez que bancarisation, vous connaissez celui qui a initié la bancarisation. Aujourd'hui, Moutoua, qui nous a salaire dans la banque. C'est Muzito. C'est Muzito qui a initié ça. À mon avis, il y avait beaucoup d'effectifs, de cadres effectifs. Par rapport à tant que le premier ministre, il y a ça qui je crois. Tu vas pas nous rappeler. Le président. C'est le premier à dire. Mon premier, tout. Espérons si aujourd'hui la population congolaise a la confiance et la politique. Bon, merci beaucoup. Il y a merci d'abord pour cette patience. Et puis, il y a mi balé. Confiance na biso to réservé encore pour mwana mboka Adolphe Muzito. C'est le seul que Dieu a accepté azala na mboka na biso pona kokamba biso alongo na biso na buzoba wo ya ba M23 na ba Rwandais. Merci beaucoup monsieur Albert Cadre à Nouvelle-Hollande d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Totololi, Maimatali, l'inconstance politique. Par rapport à ma propos, Raphaël Kibouka, député national, Eli Namoamba, Mokoya Bakatro, MLC, réaction, il y a base naïe par rapport à salaire au Yazouaka, à l'objet 21 000 dollars, et d'aller 17 à 18 000 dollars, réaction, il y a population, situation sécuritaire, il y a beaucoup d'abisso, à travers cette émission. Merci à Kabouya. Derrière la caméra, Moïse côté montage, et à vous, chers abonnés de Océan du Congo Télévision, restez branchés, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.